grands zoos. Ils ont fait des belles choses et d'autres moins bonnes. Un peu moins bonnes. On va passer au jeu. Le premier aussi. C'est hein, qui ça? C'est les amis. Pas se tracasser. Non, pas du tout. Ça va d'aller. Lieu. Lui aussi. Tu vas être là. Ça va aller. Hey, attention, hein. Ils vont filmer, hein. Ouais. Je te jure. Regarde, tout ce qui sait faire, c'est jongler. Voilà, regarde, regarde. Filme bien. Attends, attends, je vais faire juste une chose que tu peux filmer. Attends. Hey, Mais il y a un fan club ici, hein. Mais je sais, mais tant mieux. Mais vas-y, fais ton show parce que tu es sur le banc et tu es dans la tribune. Tu vas pas commencer, t'as même pas tu, tu vas donner le maillot à quelqu'un d'autre. C'est qui? Alors tout le match, ils sont 3, mais j'ai vu il y avait encore une autre équipe à l'intérieur et là ils sont arrivés à quoi 2. Ils sont super 5 là. Ouais, peut-être tu vas être plus encore ici. Très garde. Allez, on change, hop ici Daniel, Alain. Ah, Mimi, c'est ton frère. Jean-Jacques. Oui, aussi. Un jaune à noir, un jaune à noir. Chez nous, on est devant, les autres, ils ne se voient plus. Hey, faut pas croire qu'on va vous laisser gagner parce qu'on fait le photo. Hein. Tu restes jusqu'à quelle heure, Rome? Il y a compagnie, il y a tout. Il y a une barre où il tient Fellaini qui vont venir. Ouais, ouais, à quelle heure? Quoi? Après? Après le match? Tu te rappelles demain quand même?
Je me rappelle là, vous nous avez mis une raclée contre Nivelles. Thank you.
Encore. Et Agus, bon changement. Oh, il est là. Et où? Là. Là, là. En tout cas, ceux qui jouent en noir, il y a un blanc. C'est le seul blanc. Il joue en jaune quand même. Quoi? Mais non, il joue en noir. Là, il est là. Il joue pas en jaune et bleu. C'est le seul blanc dans l'équipe de noir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Deux minutes, non? Oui. Tu veux un mouchoir? Ça va être froid. Hein. Oui. Enfin, on fout, là. Bien. Oui. Non, mais disons, pas de numéro de rien. Le match avec un. Viens, 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 viens. Je vais passer à la caméra. Je vais passer à la caméra. Un match pour s'amuser. On va passer au journal. Ouais, salut, ça va? Alors, peut-être là. Ouais. On va passer où au journal? À la télé. Ah, tu vas pas voir. Lionel. 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 Va chercher Guillaume. Lionel. Va avec Guillaume. Guillaume. On doit aller chercher les godards pour Lionel. Je vais bientôt monter. Ça passe. Ouais, moi aussi. 15-0 pour Marseille. C'est de trop bien de voir dans les vins de bord. Et je l'aime pas. Avec sa barbe là. Il a un gros truc ici. Il avait pas de barbe. Il est bien. Allez,
Thank you.
grenier. Non, mais... Parlait comme si c'était bar. Ouais. Mon père, il arrive, il me dit... Ça va, ça va. Regarde ton nouvel an avec Yannick. Ok, c'est bon, Fanny. Oh yes, oh yes. Oui, 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 oui
Moi, le coach de l'équipe, tant qu'elle gagne, sinon elle donne ma démission. Moi, j'ai entraîné longtemps. Non, non, tu as dit ça. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas fait la paille.
Non, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Quand on a une confusion, on a été déjà plus là et il n'y a pas de temps. Ah non, non, non. Sidi, trois touches, s'il vous plaît. Ouais, quelles trois comme ça? Quatre. Non, Magdalès. À qui? Mais non, c'est bon, Magdalès. Allez, non, c'est chaud. Non, mais bien sûr. C'est soit qu'on fait au départ les gens iront là, c'est ce qui paye, parce qu'on n'a pas ça avec les gens qui peuvent se lever. Non, moi je suis d'accord avec toi, je ne peux pas le faire. Eux devaient le faire, c'est pas nous. Ben, si nous avons pensé, c'est nous qui les faisons, et c'est eux qui font le prix, ils ont dit eux-mêmes que... Oui, je n'ai pas changé ça. Avec l'autre équipe. Ah, ce distinct a changé. Oui, c'est comme j'ai... Daniel, lui, j'ai connu aussi. Ouais, non, non, c'était pas.
vu quand j'ai débordé, caméraman? Ouais. T'as su m'avoir quand j'ai débordé? Non. Quand j'ai débordé du terrain, non? Je vais trop vite, hein. Je vais trop vite. Tiens.
balle. C'est bon, hein? C'est plaisant. Ouais. Non, il s'entraîne, c'est bon, c'est il s'entraîne. Il fait ça, il fait que ça, tous les jours il s'entraîne. Oh, pardon. C'est vraiment une première et je pense qu'on va le refaire. On a vu aujourd'hui pas mal de gens qui sont venus voir. Je pense que la prochaine fois, on fera encore mieux. On va faire plus de publicité en tout cas. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des rencontres de générations différentes et d'ethniques différentes. Et je pense que vraiment, ça nous fait énormément plaisir en tout cas de recevoir une équipe africaine qui a montré ses grands talents en tout cas aujourd'hui. Ben, le match, c'est un match plaisant, comme on s'attendait. C'est un match amical qui s'est déroulé dans la bonne atmosphère. Une atmosphère, je veux dire, sur le terrain, on voit que c'est... Bon, on peut dire que notre équipe, elle était un peu supérieure, puisqu'on a quand même pas de joueurs qui sont actifs, mais quand même des gens qui continuent à entraîner dans des équipes. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment un match très, très amical et il y avait une bonne atmosphère. Ah ben c'était très bien, on s'est très bien amusé par rapport à tous des amis, on s'est retrouvés depuis longtemps et tout, donc et surtout pour avec Friendly Foot, donc il y a souvent des actions comme ça où on s'amuse et tout ça, mais franchement c'est bien. En tout cas si c'est à répéter, on va le faire encore. Mais voilà, naturellement vu leur âge, il y a certains, après surtout avec la fatigue, il y a des choses qui vont aller, qui sortent des mauvais contrôles ou alors ils trébuchent sur la balle. Mais tout ça, ça nous permet de montrer aux enfants ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça le but aussi. Il y a la différence, mais je signale quand même que vous aviez un blanc parmi vous, parmi les Africains, qui joue normalement avec nous et qui est un des meilleurs joueurs qui malheureusement, ben, qu'on vous a offert hein, gratuitement. Hein, mais voilà, donc non, effectivement, il y a eu une différence de niveau, mais on fera en sorte que l'année prochaine en tout cas, on remédie à ce problème-là. Mais normalement, on avait sélectionné, on devait être au moins une quarantaine pour vous dire, mais c'est toujours la même chose, donc c'est déjà bien qu'on a terminé avec 12. Et voilà, mais le but n'était pas de gagner, mais le but c'était quand même d'être là, prêt, être présent pour répondre à l'appel des vétérans de Bren qui nous soutiennent souvent dans toutes nos activités. Et nous aussi, on veut montrer quelque part qu'on peut être solidaire dans ce genre d'action. Oui, bon, le talent, c'est vrai. Il y a le talent et la bonne humeur. Hein. Quand il y a la bonne humeur, bon, on met un peu le talent de côté, c'est pour juste s'amuser. Et puis bon, c'est tous des garçons qui ont joué dans des clubs et tout. On se retrouve, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, c'est la bonne humeur.
Et ça fait du bien parfois de pouvoir se retrouver dans de tels contextes et tout. Et que ce soit des communautés, la communauté belge, la communauté congolaise et tout, qui se retrouvent et tout. Parce que ce sont les deux communautés qui ont grandi ensemble. Hein. On a tous les deux grandi ensemble et tout depuis qu'on a 5-6 ans. Vous voyez, comme les deux garçons qui ont joué tout à l'heure derrière, là, Marc et le président de Friendly Foot, bah, c'est des gens qui ont grandi ensemble. Ils ont été à l'école primaire ensemble et tout. Kaniki, le capitaine de l'équipe de Brenne et tout ça, c'est des gens avec qui qu'on côtoie depuis longtemps, depuis 20, 25 ans, 30 ans parfois. Donc c'est bien de se retrouver dans des telles circonstances, c'est bien. Voilà. Bon, logiquement, ça a été fait aussi pour récolter des fonds et aider aussi nos actions. Mais ici, c'est plus pour réunir la famille, réunir des amis avec qui souvent on se voyait pendant l'année. Et on n'a vraiment pas le temps aussi de se mettre ensemble. Comme aujourd'hui, bon, maintenant le match se termine, tout le monde va boire un verre ensemble et discuter vraiment très relax, surtout que ce sont les congés en ce moment-là. Et après, naturellement, on va être sur le feu ardent pour nos actions, que ce soit pour aider les enfants défavorisés en Afrique, en Belgique. Donc on a beaucoup d'actions qu'on va faire cette année-là, les projets avec des autres associations aussi. Et à côté d'Itala, comment vous avez trouvé, ça évolue ou pas? Ben, écoutez, quand il y a quand même quelques joueurs qui sont là, bon, quand on va aujourd'hui, bon, le papa Boyata, le papa de Dédric, bon, on comprend aussi que le fils a hérité peut-être du père. Et là, quand même, bon, on voit que techniquement, il est fort. On a aussi Jean-Jacques Missé qui a joué, Jean-Jacques Missé, un ancien joueur. Bon, on va directement des Jean-Marie Kaniki. Bon, dans notre rang, il y a quand même pas mal de gloires du football qu'on voit quand même qu'ils ont des touches assez indéniables. Ce sont des choses qui restent. Et voilà, ça c'est quand même beau à voir à côté de ceux qui, comme notre président, qui a fini quand même par faire une action quand même, malgré en étant un défenseur. Et lui, c'est un qui a marqué son nom aussi chez les Carolos, on doit dire, hein, quand il était jeune, bien sûr. Donc le Friendly Foot, c'est votre équipe ou vous avez une autre équipe à part ça? Non, moi, disons qu'on a créé Friendly Foot avec M. Augustin Zaidi et M. Haroun. Et bon, eux, ils sont plus actifs que moi parce que moi, je suis dans le volet sportif. L'équipe s'appelle Friendly Foot, pourquoi pas, c'est une équipe d'amateurs, Friendly Foot. Et voilà, donc je ne sais pas si elle s'appelle Friendly Foot, mais en tout cas on était très amical aujourd'hui. Et je pense à partir de ça, vous êtes bien sélectionné pour la prochaine match ou quoi? Mais oui, s'il y a un prochain match, et si les jambes tiennent encore et que les reins tiennent encore, les dos tiennent encore, ça va, on sera là pour le prochain match, ça c'est sûr. Pour s'amuser, s'il y a le temps aussi, parce que... bien. C'est le temps qui a aussi joué dans la faveur dans le contexte de la bonne humeur. C'est le temps qui nous a vraiment aidés. Quoi. Voilà, merci. Hein. Mais le prochain événement, ça va être certainement pendant les vacances ou peut-être à l'exposition Friendly Foot qu'on va refaire. Voilà. Merci. Il pleuvait, il y avait des grêles comme ça. Il m'a vu. Il m'a demandé de jouer. Il m'a dit, je t'avais vu, mais je ne voulais pas traverser les grêles. Il y a C'est un expert. On a pas accepté tout ça.